Et salut YouTube, on est parti comme vous le voyez sur Dark Souls 2 en totale découverte. Alors juste, j'ai pas réglé l'audio parce qu'il n'y a pas d'option sur le menu. Donc ça va peut-être être un peu fort au début. Si c'est le cas, désolé d'avance. On va voir. Alors, sang, bien sûr qu'on veut du sang. Sous-titres, oui. ATH affiché, ok. Luminosité, flamme visible, dragon invisible. Ah bah là, c'est vrai que je vois absolument pas de dragon. À moins que... Ah, et si, je vois peut-être légèrement. Je crois que je le vois légèrement, mais bon. Vas-y, ça me va, ça me va. Ensuite, tout ça a l'air d'être bon, hein. J'avoue que j'ai pas fait les options, hein. Volume voix, volume SF hits, volume musique. Ah, c'est là. Alors, pour l'instant, en vrai, ça a l'air d'aller, non, au niveau de l'audio, je pense. J'avoue que les SF hits ont tendance souvent à être plus forts que le reste. Du coup, je serais d'avis de peut-être baisser un chouïa en mode préventif. Après, je pourrais sûrement changer une fois en jeu aussi. On va partir comme ça. Et le truc, c'est que les cinématiques risquent d'être fortes aussi, je pense. Je sais pas pourquoi, c'est pas réglé pareil. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Le tonnerre est un peu fort. Where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Du coup, c'est pas le même roi que celui qu'on a affronté dans le 1. Je me souviens plus de son nom. Ah, la lune. Elle est fine, leur lune, hein. Musique angoissante là. Time.
is your fate. The fate of the cursed. Mais non. Du coup, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est as usual, j'ai envie de vous dire. C'est comme d'hab. Ah, c'est pas toujours très clair les premières cinématiques. Tu me diras, c'est pas forcément plus clair quand tu finis le jeu. Où sommes-nous? L'orée. Incroyable. En tout cas, la cinématique, elle était plutôt belle en vrai. Je sais plus de quand date le jeu. Okay, est-ce que ça marche bien? Ça a l'air d'aller quand même. Niveau des bruitages, ça a l'air d'aller aussi. Du coup, on est à poil. Ah, c'est vrai que comparé au 1, on a pas eu le choix de... De choisir notre classe et tout. Ah d'ailleurs on a de la vie en moins. Par contre c'est super sombre certains endroits. Hein. Peut-être qu'on changera la luminosité par... On verra. Ça c'est le gros coup quand même. Ça c'est le petit coup. Et on peut... Ok, avec les deux gâchettes ça, c'est la même attaque. Je crois. On a la roulade. Roulade qui est... Est-ce que... On dirait qu'elle est légère, non? Je pense. On peut plus courir, je sais plus comment on faisait pour courir. Ok, par où on va? Par là. On va se faire tringler. Bonjour. Quelqu'un? Voilà. Ah ouais. Est-ce que j'aurais dû regarder si j'avais quelque chose dans mon inventaire? C'est quoi ces merdes que j'ai sur moi là? C'est quoi? Non, viens là toi. Oh là. Ah ouais. Il y en a beaucoup quand même. Il se casse. Non mais je peux pas traverser, faut que je les bute toutes. Ah bâtard. Allez hop, ça dégage ça. Et de 1. Attends, j'ai plus de stamina. Aïe. C'est quoi, ils ont... C'est du saignement ? Oui. Aïe. Je suis mort. Voici l'univers de Dark Souls. Bah merci. Je connaissais déjà. Bon, je me pensais bien quand même que... à mon avis, c'est fait exprès. À mon avis, on est censé mourir. Non? Ou pas? Ah bah non, vu qu'on respawn ici. Attends. Y a pas un... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Oh, what? Attends, mais c'est... Comment j'ai fait ça? Non, ça c'est... Arrête. Et ça? Ah, c'est ça, attends. Ok. J'ai des trucs? Non, j'ai rien. Ok. Eh ben, allons-y, hein. Attends, c'est quoi que j'ai? Amène un... Ok. Alors, comment j'ai fait, du coup? Après, moi, je me demande si je peux pas tracer, mais en fait, je sais pas. Je sais plus comment on court. Il me semblait que c'était en maintenant le...
le joystick enfoncé, mais ça marche pas. Ou est-ce que c'est pas disponible? Là je comprends pas, on est d'accord. Là je comprends pas ce que ça fait. Ça fait plus mal. Je les viens de battre. Bon, on retente. Il faudrait qu'ils viennent se battre déjà. Ils se cassent. Ah non. Il se casse cette fois. Mais what? What the fuck? Ok. Il m'attaque plus. J'ai l'impression qu'il y a des petits lags. Est-ce que c'est une impression? Mais du coup, c'est par où qu'il faut que j'aille? Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des murs cachés aussi. Dans le 1, c'était comme ça en tout cas. On va essayer d'y penser. C'est juste par là en fait, tout droit. Donc je sais pas pourquoi il m'attaque plus, mais bon, on prend. Hein. Les guesses, c'était juste histoire de. Alors, vous voulez mon avis? C'est cette grosse trace là. C'est un signe qu'il faut pas trop avancer par là. J'aimerais bien au moins avoir une arme avant de faire ça. Y'a quoi ici? Ok. Y'a que dalle. A priori. À moins que. Attendez. Tape le mur, on sait jamais. Aïe. Voilà. Rien de mieux pour s'échauffer les poings. Donner un bon gros coup dans la roche. Là, on se met bien. Hop. La vieille dame. Ah non. Les chaperons rouges. Il y en a beaucoup quand même. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. C'est pas très sympa, hein. It's an undead. An undead has come to play. Vous pouvez parler, vous êtes pas très fraîche non plus, hein. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate. Of the cursed. What is your name? C'est une bonne question, ça. On peut choisir. Incroyable. Allez, je m'appelle. Merde. Comment on fait les mages comme ça? Allez hop. Vraiment un humain. Who do you think it's supposed to be? C'est toi, papa? Deep into your past. Yes, it's an effigy of you.
Bon. Ressemble à ça. Ah. Il y a un problème là. Ah. Placédon. Rien du tout. Ah non, mais il faut appuyer, c'est ça. Incroyable. Placédon. Qu'est-ce qu'on prend? Ça change quoi déjà? Ça change le stuff de base, c'est ça? Il me semble. Force et dextérité élevée. Manie bien l'armement. PV élevé. Bonne adaptabilité. Difficile à abattre. Combat à l'aide d'une arme puissante dans chaque main. Un hors-la-loi sans merci. Archer talentueux, dextérité élevée, courte et longue portée. Guidé par une foi aussi forte que son aptitude au miracle. Sa sorcellerie nécessite une intelligence et une mémoire développée. Pas très puissant, mais doté de nombreux objets. Anonyme, dépenaillé, n'a rien pour combattre sinon ce que la nature lui a donné. On voit nos stats, mais je sais plus à quoi correspond quel stat. Enfin, lui, c'est quoi? C'est force et dextérité élevée. Ah ouais, la force, c'est en bas à gauche. Et la dextérité, c'est peut-être la main. Peut-être ça, ouais. Et du coup, le truc à 12, là, c'est quoi? Le visage. C'est la vie? Non, la vie, c'est le cœur à côté. Bah, je sais pas, en vrai, hein. En vrai, je tenterais bien le bandit, parce qu'il me semble on m'avait dit que dans le 2, l'arc, c'était un peu plus jouable que dans le 1. Dans le 1, c'était pas terrible. Juste pour tenter. Mais en même temps, j'ai pas envie de... De toute façon, je peux toujours changer, non, après. C'est juste que j'ai des stats de base. J'aurais plus de dextérité de base, mais bon, est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Peut-être en chier, mais on verra. Augmente légèrement les PV, hein, ramène les carcasses à la vie. Est-ce qu'il y a besoin de prendre un truc là? Objet pétrifié. Ouais, ça verrait utile un jour. Vas-y, je prends ça. Je sais pas ce que ça fait, mais. Ok, terminé création. Utilisez cette apparence. Mais attends, non. Comment je fais pour aller sur les autres trucs? Faut que je fasse retour. Genre. Ouais, un homme. Incroyable. De base, c'est bien. Ouais, comme ça, c'est très bien. Frêle. Juste, on va se mettre les cheveux. Incroyable. Oh, la coupe de Godefroy, quoi. Putain. Non, vas-y, c'est bien ça. Mais juste les cheveux noirs, ça. Ah, attends, on peut même se faire un. Ah, c'est incroyable. Genre comme ça, on a beaucoup plus de style. Comme ça, c'est bien, vas-y. Et puis, ça fait plus réaliste, hein. Avec les sourcils vénères, comme ça, là. Je suis un homme en colère. Là, je suis étonné. Ok. Voilà, là il y a un problème là. Là il y a un problème. C'était quoi ceux de base? C'était ça? Vas-y, c'est très bien. Couleur des sourcils. Bien évidemment, faut que ce soit de la même couleur, hein, sinon c'est pas réaliste. Hein. Tout de la même couleur, hein. Non, peut-être pas quand même. Oh, les yeux rouges. Ouais, non. Les yeux blancs. Ça fait très bizarre de mettre les yeux comme ça. Comme ça, vas-y. Ah, on peut se mettre une barbe. Attends, mais incroyable. Une barbe rose. Ah, la moustache, incroyable. Il faut partir là-dessus. Là, là, c'est nickel. Là, je pense que on est bien. Ouais. On peut se mettre un tatouage, mais que sur la tête. En même temps, avec l'armure, on verra pas de toute façon. De toute façon, j'ai pas pris de tatouage, donc ça sert à rien, ça. C'est quoi ça? Âge. Ok, hormone. C'est-à-dire. Ah ouais, ok. Ok.
Ok, bon, vas-y, en vrai, ça, on s'en fout un peu. Vas-y, c'est très bien comme ça. Ah ouais, c'est nickel. Là, je ressens vraiment un bandit. Je suis un brigand. Oui. Là, je ressens bien un bandit. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. C'est drôle, hein? Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Okay. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. Mais non. On peut les récupérer, donc ça va. Over again. Tout va bien. Ce zoom sur la bouche était très, très effrayant. J'ai cru voir l'abîme. En tout cas, elle se marre bien, c'est... Cette vieille dame. Ah ouais, ah là... Mais toi, t'es qui? Mais pourquoi toi, t'es jeune? Tu n'es pas normal. Ok. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. D'accord. Je peux le ramper? Bien sûr que je peux le ramper. Il y a quoi ici? Est-ce qu'on peut démolir des trucs? Oh! Normal. Va chez les gens. Effigie humaine. C'est le truc que je me suis jamais servi dans le 1, je crois. Le truc pour redevenir humain. On m'avait dit... Je crois que ça sert à... avoir plus de fioles, non? Il me semble. Je crois que c'est ça. Ok, du coup, maintenant, on est censé avoir du stuff. Enfin, du stuff. Si, on a quand même un arc et une hache. Mais la question, c'est pourquoi... Pourquoi je peux pas me l'équiper là? Ah, parce que c'est à droite. Okay. Comment marche là? Bon, j'ai 25 flèches, du coup j'en claque une en faisant ça. C'est juste comme ça? Oui, c'est. Il y a peut-être moyen. Non, il n'y a pas moyen de viser. Ah, si. Incroyable. Est-ce que je peux désarmer? Ok, je ne peux pas désarmer. Non, ma flèche! Oh non, elle a disparu. Attends, mais du coup, c'est quoi ici, là? Je peux pas y aller. A priori, non. Attends, mais du coup, je suis obligé de retourner par là? Je crois. Dans tous les cas, je voulais y aller, mais je crois que je suis obligé, en fait, d'aller par là. Ah, il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Et on a l'air de faire une roulade assez rapide quand même. Du coup, c'est bien. Il y a quelqu'un? Oh, j'entends un bruit. Oh là. Bonjour, monsieur. Attends, je vais lui tirer une flèche. Alors, comment on fait? Merde. Ah non, je déconnais. Quoi, cette merde? Ah. What? Oh, l'enculé. Oh, quoi ça? Okay, je sais pas ce que c'est la gemme de vie. Vous êtes mort. Il semblerait, oui. Il semblerait. C'est quoi la gemme de vie?
Faudrait que je regarde dans l'inventaire. Ah, je respawn là du coup. Attends. Je vais claquer un truc pour savoir ce que c'est. Restitue quelques PV. Ah, c'est pas les fioles. On les a peut-être pas encore. J'espère qu'on en aura quand même. Mais pourquoi je peux pas courir par contre? Faites pas chier les macaques. Ok, je vais me venger. Vous allez voir. En vrai, je sais pas si c'est vraiment par là qu'on est censé aller. Pas sûr. Hein. J'aimerais bien juste comprendre. En fait, j'appuie une fois là-dessus. Et ensuite. Et ensuite, je dois réappuyer. Est-ce que ça fait plus de dégâts à la tête? Mais attends, mais je peux. Ah non, faut que je recharge après. Attends, 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 je suis pas prêt. Y a pas assez d'espace pour se battre ici. Et mes roulades elles sont si. Y'a quoi par là? Ah mais attends, il peut pas passer ici. Non il peut pas. Ah on arrive là, ok. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher ici? Ah ouais là. Oh genre il peut me taper quand je suis en train de ramasser item. Tricheur. M'en fous, j'ai ramassé item. Il est dans mon inventaire maintenant. Bon par contre pour aller chercher mes âmes ça va être compliqué. Cela dit j'en ai pas tant de ça donc Le mec il s'est affalé sur moi. En vrai il a l'air un peu dur à tuer quand même hein. Genre il a une de ses portées. Ah oui c'est comme ça qu'on court, incroyable. C'est bon j'ai retrouvé. D'ailleurs, j'ai pas toute ma vie. Ma barre de vie. Ok, on va retenter une dernière fois le combat. Ou peut-être pas une dernière fois. Je sais pas. Bonjour. On peut lui couper la queue. Oh bâtard, ah non. Pas la tête. Ah oui, ça one shot en plus. D'accord. Ouais bon. Je pense que c'est quand même compliqué. Après, de toute façon j'ai ramassé item donc en soi je trouve ça sert. Après remarque il pourrait loot aussi. Peut-être qu'on peut retourner ici plus tard et le tuer. Peut-être. Et du coup, j'ai ramassé quoi comme item? C'est une bonne question. Ça, c'est le truc que j'avais à la base. Du coup, je sais pas ce que j'ai ramassé. Hein. Je ne sais pas du tout ce que j'ai ramassé. C'était pas une effigie? Si? Peut-être. Non, non, l'effigie, c'était pas là, je l'ai eu. Bon, vas-y. Avançons. La question c'est par où on va. Faut que je prenne le portail. Y'a pas de portail. Dernière nouvelle. Ici y'a que dalle. Tac tac tac. A chaque mort la barre de vie se réduit. Ah. Ah. Bah merci du coup de me le dire. Ah j'avais même pas remarqué en vrai. C'est embêtant. Ok c'est par là. Examiner. Les feux sont des lieux de repos. Vous pouvez également y allumer des torches. Ah, on peut allumer des torches au feu, d'accord. Ce qui paraît logique. Mais j'avoue que... Brûler. Je peux brûler des trucs. Une effigie ténébreuse dans les mains. C'est un... De redevenir humain lorsqu'il est brûlé, il affaiblit également les liens vers d'autres mondes. Empêchant les invasions. Ok, ça c'est pour le multi. En plongeant son regard dans une effigie, on finit par y apercevoir une silhouette humaine. Ah mais c'est juste pour se personnaliser ça? Je sais pas. Ok.
Attends, mais du coup, est-ce que... Je peux pas faire ça. Oh, faut donner plusieurs coups, ok. Âme, mort vivant, torche. Ah non, on commence direct par un niveau dans le noir. Non. Et du coup, comment j'équipe la torche? Comme ça. Ouais. Je peux la mettre là, peut-être? Non. Ouais, ça compte pas comme une arme. Ça compte pas comme une arme, la torche. Elle est où? J'ai obtenu une torche. Je suis pas débile quand même. Je la vois pas. Ça s'affiche où? Ou alors c'est directement là? Non. Merde. Non, non. Ok, c'est bon. J'ai cru qu'il allait. Qu'il allait l'utiliser. Bon, c'est pas grave, avançons. On va dire qu'on en a pas besoin pour l'instant. Allumer la torche. Ah ouais, ok. Ah oui. Attends, mais je peux me battre avec ou pas? Voilà, j'ai pas l'impression. Hein. Ah si. L'effigie te rend humain à nouveau et te redonne toute ta barre de vie. Ah. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que... R1 attaque main droite. Ok, donc je suppose que c'est un ennemi. Bonjour monsieur. R3 verrouillage, ok, ouais. Incroyable, on a un tutoriel quand même. Il sort d'où lui? Non mais je l'ai pas vu. Peut-être que j'ai pas fait gaffe. Ou alors il était invisible. C'est quelqu'un. Ah ouais, ils sont vraiment invisibles en fait. Ouais, je vois la torche, le timer. Mais du coup, si elle s'éteint, c'est vraiment la sauce, quoi. Ok, donc c'est vraiment... T'as un timer pour parcourir des zones, ok. Attends, mais y a pas le backstab? Dans le dos, coup critique. Mais là, je lui ai pas fait de crit. J'ai tout shot encore. Ouais. Et du coup, je peux la réallumer, je suppose, ici. Je peux la... Ah non, faut vraiment attendre que ce soit fini pour refaire. Ok. Dag. J'ai même pas regardé si tout à l'heure je pouvais. Oh là. Oh. Pour l'instant, c'est les ennemis nuls. Question d'armes équipées, ouais. Okay. En vrai, l'arc, pour l'instant, c'est un peu compliqué de s'en servir, quoi. Vu que les ennemis viennent sur toi. À moins que tu les vois de loin, mais pas en arrière. Allez, viens. Donc là, je pourrais m'en servir, peut-être. Ah ouais, mais en plus, ça me fait lâcher la torche. Ça me tente pas de ouf. Enfin, du coup, je peux reprendre la torche. Ok, je peux aussi faire comme ça. Je peux aussi prendre l'arc, dégainer l'arc pour enlever la torche. Ah mais non, mais j'ai toujours le même timer. Oh la baise. Ah, quand je pose des... Mais du coup, c'est... Quand je pose des torches, le timer s'augmente. Et du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que quand le timer est fini, c'est fini, fini, quoi. Et là, ça s'augmente pas, le timer. Je sais pas. Gemme de vie, ok. Utiliser objet. Non mais j'ai pas besoin, vous savez, moi,
suis full vie là. C'est pas des mécréants qui vont baisser ma vie. Toc toc toc. Ok là. Contrôle caméra, ouais, ok. Oh là, ça, ça sent mauvais ça. Ah, je peux pas le brûler, dommage. On veut un truc doux. C'est quoi, c'est vrai? Un truc soyeux. Est-ce que j'ai ça, moi? Un truc soyeux? Pas sûr, hein. Si vous voulez, j'ai un objet pétrifié agréable au toucher. Ah, mais c'est peut-être ça. Laisser. Mais si je laisse, ça va juste le laisser tomber, non? Après, je peux peut-être le re-ramasser. Non? Ça marche pas comme ça. Mais je crois que j'ai juste drop un item et je peux plus le ramasser. En vrai, c'était un item bonus, donc en soi, et c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pourquoi je peux pas prendre cette échelle? Ferme le menu. Ah! Ah ouais. Peut-être que je l'ai pas mis au bon endroit. Anneau blanc. Ah mais non, ils m'ont donné un autre truc. Attends, quoi? Mais c'est pas ça que j'ai donné. Anneau blanc. Ah, la torche s'est éteinte. Je répète, la torche s'est éteinte. Permet de prendre l'apparence d'un spectre. Ok, mais je peux pas l'utiliser. Ah, c'est peut-être pas là qu'on équipe, en fait, c'est là. Non mais fermez-la, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est là. Ok. Ah oui. Waouh. Je suis un spectre, dépliez l'échelle. Ah, parce que sans ça, je pouvais pas déplier l'échelle. Attends. Non, peut-être que je dis de la merde. Comment non, arrête. Le dieu des rêves. De prendre l'apparence d'un spectre afin de tromper les envahisseurs. Ah, mais c'est pour le multi aussi. Je crois. De toute façon, moi, je joue hors ligne, donc... on risque pas de se faire envahir, a priori. Ah ouais, mais non, je peux pas déployer l'échelle sans ça. Ah, donc c'est pas le multi. Ah non, mais je peux... Ah non, en fait, c'est juste qu'il y a un problème de... Ah, mais c'est à cause de ça, je suis trop con. C'est à cause du menu. Je suis... bête. Est-ce que je rallumerai pas ma torche avant de descendre? Je pense que si. Est-ce qu'on reste comme ça aussi? Allez, ça nous donne un petit style. Mais du coup, on voit plus... Ah si, on voit notre... On voit un peu notre couleur de cheveux, mais on a perdu la barbe, je crois. Mais je peux pas rallumer les torches ici. Ah, c'est embêtant, ça. Mais pourtant, c'était la même chose que tout à l'heure, non? C'est pour le PVP, là, non? Ok. Ok. Normalement, il glisse. Ah ouais, mais là, j'ai plus... Oh non, mais il y a encore des gros... C'est les mêmes que tout à l'heure? Ah ouais, c'est les mêmes que tout à l'heure. J'ai plus de torches. Mais on en a qu'une de torches, du coup. Ah, putain. Merde, j'ai trop attendu, du coup. Mais peut-être je peux la rallumer là? Non? Mais attends, mais je viens de faire un tour pour rien en fait. Je pouvais juste passer là. Ah non, je peux pas la rallumer. Ah ouais. Ah oui, c'est genre une torche. Ok, j'ai compris. C'est une torche, mais elle apparaît pas dans l'inventaire par contre. Mais du coup, ici, je peux plus y aller. Ça va être sombre aussi. Bonjour. Manier l'arme de... Ah oui, à deux mains, ouais. Voilà. Comme ça, on fait plus de dégâts. De toute façon, on n'a pas de bouclier, donc... Comment on fait? Ah oui, c'est comme ça. La parade à deux mains, je me suis jamais servi. On peut pas... Ah non, c'était comme ça. Ah, mais là, ça marche pas. Faut qu'il y ait un mec. Pour le coup de pied, je me souviens plus comment on fait. Bon, si on part du principe qu'en restant tout le temps en mouvement, ils peuvent pas nous toucher,
A priori, on peut explorer même sans... Même sans torche. L3 en cours de sprint. Sprint saut. Ah, ça veut dire qu'il y a un trou, ça. Ouais. Attends, L3 en cours de sprint pour un saut. Ok, d'accord. Je préfère tenter sur du vide. Après, bon, j'avoue que là... Ah merde, je l'ai fait trop tard. C'est pas grave, on peut aller chercher nos âmes. Une torche, 3 minutes de torche, putain. Mais du coup, est-ce qu'on peut... On peut la mettre... On peut la ranger et le timer se consume plus, non? Je pense. Il me semble. Auprès du feu, pas la peine. Ok, vas-y, allons-y. Bon, attends, on va enlever l'anneau. L'anneau sert pas. A priori. Comme ça, on voit nos belles couleurs. J'ai cru que j'allais aller trop à gauche et que j'allais retomber dans le vide. Herbe ambrée. Ok, en vrai, le saut est quand même permissif. Genre, tu peux quand même le faire bien à l'avance et ça passe quand même. Genre, c'est sympa. Bon, après, c'est pas censé être un platformer, donc... Enfin, et encore, ça dépend des fois, mais... Pendant une chute, attaque plongeante, ok... Pousser. Brise garde. Ah merde, on a trade. Et une porte ici. Rampe d'œil rouge fissurée, d'accord. On va regarder ce que c'est après. On va juste faire le tour de la zone avant. Là, il y a que dalle. Attaque sautée. Là, c'est genre une attaque lourde, quoi. Ok. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Restitue quelques utilisations de sorts. Permet d'envahir d'autres mondes. Ça aussi, c'est pour le multi, je pense. Ok, ok. Bon, un boss, peut-être? Alors, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas du tout, même. Bonjour. Ah, par contre, je spawn à un endroit qui n'est pas accessible normalement. D'accord. Oh là là, oh non, c'est les grenouilles. Oh non, j'aime pas les grenouilles. Oh non, pourquoi ils ont remis ses ennemis, les bâtards? Attends, j'ai une idée. Merde. Ah, ça fait vraiment pas de dégâts, par contre. Attends, elles peuvent sauter, elles, normalement. Je crois. Ça fait vraiment pas de dégâts. Il m'en reste 17. À la limite, je peux peut-être en tuer une. Merde, si je vise bien.
Moi, je fais moins de dégâts là. Mais putain, arrête de bouger la grenouille, laisse-toi tuer. Ah, c'est peut-être quand je vise bien la tête, ça fait 22. Mais qu'est-ce qui est fou là? Allez, plus qu'une. Voilà. Ça m'aura fait plaisir. Est-ce que je peux genre faire ça? Non. Okay. Bah je peux descendre ici sinon. Du coup, est-ce qu'on a envie d'aller là-bas? Attendez. Avant de faire de la merde. Non, c'est moi la respawn. Elle a pas respawn. Ouais, je pense qu'il y a quand même un truc à aller chercher ici. Bon, allez, on va faire connaissance avec les grenouilles. Hein. Putain. C'est vrai. C'est vraiment les ennemis. Les ennemis. Qu'est-ce que. Ah ouais, non, mais ça, c'est pour. Ouais. Mais ouais, mais c'est à cause des grenouilles. Ah. Mais attends, mais du coup, je peux pas y accéder par là? Mais attends, mais je peux pas allumer ma torche au feu. J'ai un doute. Je vais tester. Non, je peux pas. Brûler, voyager. Okay. Enfin, je crois. Ouais, si j'ai plus de torche, je peux pas. Ouais. Ah ouais, c'est la sauce, hein. Bon, par. Toute façon, par là, honnêtement, quand tu vois qu'il y a un gros mob comme ça et qu'il y a les grenouilles, tu te dis, a priori, c'est pas pour maintenant. Et puis, ça donne pas trop envie d'y aller non plus, donc on va continuer. De toute façon, on peut pas y aller, donc. Problème réglé, mais. What? Ah, je peux donner un coup quand même. Pas censé être une parade. Dans les zones très sombres, ok. Oh waouh. Majula. Waouh, ça a changement d'ambiance, quoi, putain. Changement d'ambiance. On sent quand même que le Dark Souls 1 c'était un remaster, hein, parce que là, niveau graphique, c'est un peu plus moche quand même. Y'a quoi ici? Pourquoi je vais dans les pires bails à chaque fois? Je le sais, c'est pas une bonne idée. J'y vais quand même. Business with me. The way you're under is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. J'aime de vie aux retours. Okay. Du coup, les gemmes de vie, d'après ce que je comprends, pour l'instant, c'est nos fioles d'estus, quoi. Pour l'instant. Voilà. Non, je voulais peut-être pas ouvrir. Je voulais peut-être pas ouvrir ça. On dirait que c'est empoisonné, sa merde. Oh.
Ok, ça va, il était faible. Il était faible. Oh, ça sent à la porte que tu peux ouvrir que d'un côté. Une statue vous bloque le chemin. Ah non, mais ça, il va encore y avoir des grenouilles, non? Oh non. Ah ouais, je les entends en plus. Ah non. Talisman de Lloyd. Pas un truc anti-grenouille. Attends, talisman, c'est là-dedans du coup, je pense. Non, pas du tout. Mais on a pas un truc pour les talismans. Ou alors c'est un... C'est où? Bloque la récup d'estus dans un certain périmètre. Mais ça, je comprends pas. Ça sert à quoi? En fait, ça fait que tu peux pas récupérer de potions. Et du coup, c'est négatif. Pour le PVP? Ouais, ok. Quelqu'un? Ah ouais, il y a quelqu'un. Bonjour, monsieur. Je vous dérange, peut-être? Et là, j'ai pas l'impression... Oula. C'est quoi? Il a un truc dégueulasse. Voilà. C'est dégueulasse, cette merde. Il a une grosse baloche, quoi. Il va exploser. Non? Pas du tout. Donc, il n'y a rien ici, d'accord. A priori, il n'y a pas d'échelle non plus. Non. Pas. Non, mais c'est des grenouilles que j'entends, là, putain. J'aime pas les grenouilles. Et du coup, ça, c'est son épée. Elle est stylée, son épée, hein. D'ailleurs, en vrai, je pourrais... Ouais, je pourrais... le taper, mais bon. En vrai, c'est... Ça, j'ai du mal avec les jeux... Les jeux From Software, le fait que tu puisses tuer les PNJ. Genre, d'un côté, t'as envie de le faire, mais en même temps... Mais en même temps, j'aime pas, parce que tu te dis, tu passes peut-être à côté de quelque chose de bien. Alors que des fois, en fait, juste, ils servent à rien. C'est dur à... de choisir. Bénédiction divine. Je crois que ça, c'est un sort. Oh, la petite musique. Bonjour, il y a quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, I could really use the business. If you... Ok. Ils vont vraiment que ça. Tu me diras, un shield, ça pourrait faire plaisir, mais... Voilà. Mais bon. Hop, petit coffre. Vraiment titanite. Ah, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Oh, je peux faire le forgeron, attends. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que je suis en train de construire une giga épée là? Alors que non, en fait, je suis juste en train de m'acharner sur une enclume. C'est même pas vraiment une enclume, mais bon. Ce trou me semble familier. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais... Toc toc toc, c'est verrouillé.
Putain, ils sont tanky. C'est quoi c'est? Des cochons? Cochonou! C'est moi qui ai pas de dégâts ou c'est les ennemis qui sont super tanky? Passe-toi, toi. Allez-y, un par un. Oh non, j'ai pas tapé! Mais pourquoi des fois je les touche pas? Mais what? Qu'est-ce que j'ai fait? Non mais en fait le deuxième coup il les touche pas. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure ça les touchait. Ça va juste être très long. On peut se le faire comme ça. Peut-être un peu fort l'effet sonore, non? Je vais baisser. Je vais baisser après. Oh merde, ils ont prisé la formation. J'étais en train de les farmer. Alors ça fait moins les malins. Alors attends, on va baisser, on a dit. Fond de jeu. On baisse le SF hits. Comme ça. Ça sauve l'air, là, on est d'accord. Comme ça, ça devrait être bon, je pense. Tout ça pour voir qu'il n'y avait en fait rien à part ça. Pas cool. Pas cool. À moins que... Quoi, cette merde, c'est un... Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Ma gueule, là. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. On peut lui acheter des objets. Anneau de l'un, ok. Réduit les dégâts causés par les chutes. Facilite la détection par les ennemis. Comment ça? Permet d'entendre les voix des ennemis. What? Prism, fan. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismay. Oh genre, je peux pas. Oh non, je peux pas casser la table, ça dégoûte. J'avais envie de casser la table pour qu'il se casse la gueule. Bon, monsieur, vous allez bien? J'aime de vie. Apparemment non, du coup. J'aime de vie, c'est ça, ouais. Ok. J'étais par là. Pas, hein. Je ne crois pas, hein. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. Et pourquoi je t'aiderais? I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Attends, mais comment t'as pu rentrer sans voir qu'il y avait quelqu'un dedans? C'est verrouillé. Mais rentre par la fenêtre, sinon c'est grand ouvert. Ah, quand même, fais un effort. Si tu veux pas trop les récupérer, tes outils. Comme soldat anonyme, gemme de vie, ok. Mais il y a des petits lags, non, j'ai l'impression. Oh le feu. Oh le feu.
pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si ça vient du jeu. Les petites... c'est peut-être aussi parce que c'est en 30 FPS, peut-être. Ok, tac. Bon, les feux, pour l'instant, à part sauvegarder la progression, ils servent pas à grand-chose. Hein. A priori. On va avoir le droit à un petit... petit truc sur l'histoire. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Ok. 5 morts de par le monde. D'accord. Alors là, il y a quelque chose. Je le sens. Je le sens qu'il y a quelque chose. Et quelqu'un. Bonjour, madame. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse? I will remain by your side till this frail hope shatters. Bonjour. Take this with you. May it ease your journey. Oh, c'est quoi? Fiole d'Estus, incroyable! Donne-moi en plus! Vous pouvez monter de niveau grâce au pouvoir de la messagère d'Emeraude. Oh mais non, c'est vrai? Mais c'est pas elle alors, la messagère. Je peux pas monter de niveau là. Peut-être faut que j'aille au feu. Il est où le feu déjà? Non, toujours pas. Ok. Alors attendez, on a récupéré une fiole d'Estus. Incroyable. Il faut que je l'équipe. Hop. Donc, comment je switch du coup comme ça? Comme ça. Ok. Écoutez YouTube, on va se laisser là quand même, on a une heure de VOD. Du coup, j'espère que ce let's play vous plaira. J'espère que ça marche bien. J'ai l'impression qu'il y a des... Bon, là il y a des lags quand je dis ça. Mais autrement, j'ai l'impression qu'il y a des petits... Ça fait petit laggy. Et je pense que ça vient du jeu. Je pense que ça vient du jeu. Ok, du coup, dans le prochain épisode, on va essayer de continuer l'exploration, je pense. À toutes. Allez, salut.